Coucou YouTube, on est toujours sur ce live merveilleux des 200 follow. Oui, 200 follow et aujourd'hui on est à 223 follow. Ça a augmenté, c'est génial. Je suis très content. Franchement, je suis très content. Il y a plein de gens qui ont découvert la chaîne là, via ce, avec ce week-end. Donc je suis ravi. Il y a CyanJeans qui vous fait un coucou. Et pour clôturer ça, donc j'ai regardé, on a bien terminé avec Otto. Alors on n'a pas fait le dernier niveau du truc 6, mais dans le speedrun... C'est des niveaux optionnels, ils ne les font pas. Ils font vraiment le jeu, donc c'est la grande porte et la cinématique, tout ça. Donc on a bien terminé avec Otto en moins de 200 minutes. GG à nous. On est balèze. On a même terminé en moins de... du coup, de combien? Parce qu'on avait terminé 45 minutes avant, je crois. Je sais plus. Donc bon, on a terminé comme un avance, hein. Et pour terminer, on va se faire un petit jeu calme. C'est Gris. Alors que j'ai déjà fait. Alors je joue sur la version Switch. Gris, je l'ai déjà fait. Mais honnêtement, j'ai plus de souvenirs. Donc je sais même plus. Je sais même plus trop ce qu'il faut faire. Je sais qu'il y a des petites énigmes. Il faut récolter des trucs par-ci par-là. Mais je sais plus trop ce qu'il faut faire dans Gris. Donc ça va être total impro. Et on va voir si on va le terminer en moins de 200 minutes. Mais en plus, c'est bien, c'est un jeu calme et tout pour terminer. Ça va être cool. Et puis bah voilà, on est parti, je vais mettre le chrono en route. Et puis let's go. Let's go. Alors, l'horloge, c'est là. Bam, c'est parti ici. Bam, le countdown, il est parti ici. Allez, c'est parti. Hop, nouvelle partie. Voulez-vous commencer une nouvelle partie ? Passer les cinématiques. Comment je fais pour speedrun? Je peux pas speedrun si on peut passer les cinématiques. C'est quoi le speedrun le temps? Je vais regarder. J'ai jamais regardé encore. Profitez. Mais attendez. Ah, t'es sûr, Genius, que je peux le faire? Parce que c'est 1h30 le. How long to beat? C'est quand même 1h30 le speedrun. Hein. À 3h30 pour la main story. Ouais, ok. Ah, le speedrun est... finalement, le speedrun n'est pas si rapide. Hein. Tu passes pas le cinématique de Gris, sinon je te banne. Les nuages, le temps tourne au gris. Je l'ai fait en 2h53 en live. Ok. Tu l'as fait en 2h53 en live? Quand est-ce que t'as fait du live, toi? J'ai pigé, je me casse, prout. Mais non, pas du tout. On a tous le droit de faire des blagues de merde. Et on a tous le droit de relever quand il y a une blague de merde. Donc, on a l'air d'avoir perdu notre voix. Et de tomber dans le vide. On a déjà perdu 2 minutes. Hein. Il me semble qu'au début, ouais, elle est pas très en forme. Ah, c'est ça, faut pas essayer de... Oh, vous avez vu les petites jambes qu'elle a?
je vais pas forcément beaucoup parler pendant le jeu. Histoire que vous profitiez un petit peu. Ça y est. Je suis en train d'appuyer sur tous les boutons hein, pour vérifier comment on joue. Je crois qu'on récupère des... ouais. On récupère des trucs au fur et à mesure, je crois, du jeu. Il y en a un là-haut. Désolé, hein, je vais parler. Je vais reparler normal là. Qu'est-ce que c'est donc? C'est bien, mais j'ai pas eu mon truc à gauche là. On était sous hypnose et bam! Il y a bien un truc à gauche. Je suis pas con. Voilà. Merci tout de même. Quand on saute, ça va plus loin. Un peu gris quand même pour l'instant. Une main. Une main géante. Truc optionnel, le 100% en moins de 200, doit être possible, mais j'ai pas testé. Ah ok. Bon, je l'avais vu. Hein. Tiens, y a pas de catégorie 100%, tiens, sur speedrun.com. Donc je me demande en fait si c'est pas 100% de base en fait. Peut-être qu'ils ont choisi de dire, bah en fait, le jeu, on le fait, mais on le fait à 100%. Je sais pas. Vous remarquez que le jeu est en cinémascope. Hein. Et bande noire en haut et en bas.
Ah, j'ai retrouvé une couleur. J'ai retrouvé le rouge. Rouge ? Ok, la tour qui penche. Ah, ça c'est les trucs optionnels ça, non? C'est le hub. Uber. Je me rappelais même pas qu'il y avait un hub. J'étais full drogué quand j'ai fait le jeu ou quoi là? Pourquoi je me rappelle pas? Pourquoi je me rappelle pas du jeu? Ah, c'est pas... Oh, putain, c'est pas pété les... Ah, c'est pas pété les genoux là. Est-ce que je peux aller à droite là? Non. Piou, 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 piou. J'arrête de backseat au jeu moto. Bah non, mais vous allez trop aujourd'hui, j'ai dit. Sur les jeux que j'ai déjà fait, c'est ok. Ah, petite vibration dans la manette. Mais vraiment, toute... c'est vraiment pas des... d'habitude les jeux quand ils font des vibrations, c'est... Bah, ils vont comme des bourrins quoi. Et là, c'est vraiment. Il n'y a pas grand chose quoi. C'est chouette. HD Humble, merci. Big N. À Nintendo qui fait des manettes pas trop dégueu quand même. Hein. Elle bouge toute seule ? J'ai rien eu besoin de faire. C'est que maintenant le générique ? Oh, c'est classe à la fin, le petit... Hop là, petit entourloupe là. Ah, mais il y a une pyramide dans le fond. Bah, toi qui a l'air de bien connaître le jeu du coup, Genius, c'est des aquarelles c'est des vraies aquarelles dans le fond.
Les aquarelles de Conrad Rosé, ouais, tu vois. Ça ressemblait vraiment à de l'aquarelle, quoi, donc... Il y a un truc qui me foufle dessus. J'aime pas qu'on me foufle dessus comme ça, hein. Il s'arrête, vous avez vu? Ça me profite du vent, ça, j'étais dans le bon sens. J'étais dans le bon sens, ça profite pas du vent. Elle aurait pu marcher beaucoup plus vite. J'ai sauté à ce moment-là, c'était peut-être pas la meilleure idée là. Allez, go 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 go. Je vais être à l'abri là, non? Ça, je me rappelais tellement pas de ça, quoi. C'est quoi ce truc? Pas étonnant que ça prenne 1h30 pour faire le speedrun quoi. S'ils ont pas réussi à trouver un moyen de d'aller vite malgré le vent qui nous pousse. Ah oui, d'accord, j'ai vu. Et j'ai rien pour éclater les pierres là. Ah ouais, j'ai pas de dash vers le bas. Dans Hollow Knight hier, j'avais de quoi éclater les pierres. Hein. De là à dire que Hollow Knight est un meilleur jeu. J'en doutais que j'allais être énervé.
Ah bah le v'là le truc pour écraser. J'ai pas encore fait Hollow Knight. Ah, ça souffle, mais moi je m'en fous. Je peux me transformer en gros cube. Il y a une dame qui pleure. Que tu as 40 heures plus à mettre dans Hollow Knight. Pas bourrine du tout hein. Le cube fait la liaison entre portail 2 et gris, exactement. Je vais tout casser. Tu l'avais fait sur quelle plateforme toi du coup Genius? Sur Switch à la sortie et PS4 cette année, ok. Je crois que Patatart essaie de nous parler. C'est son code de carte bleue, allez-y. Allez-y! Ah, ok, ça y est, j'ai compris. Un ISBN. Tu peux aller... Silent, tu peux aller voir ce que c'est comme, comme livre. Maintenant qu'on a l'ISBN.
Lapin compris. L'a compris. Ouais, d'accord, j'ai compris. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Ouais. Portrait. Ah. Ouais, je vois. Sur pâte à tarte, t'as envie de voir du corps humain. Je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Ce petit bruit tout mignon, quoi. Pas sur les deux ? Si. Tout de même. Ah merde. Sûrement des trucs à récupérer là-bas en fait. Ouais. Hein? What?
Ok. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ah merde, c'est le truc optionnel. Oh. Oh. Ah. J'ai pas ce qu'il faut, il m'en manque un sûrement un. De ce côté-là, du coup. Ouais, faut que j'arrive dessus et que je le piétine. Regardez-le s'enfuir là, petit con. Le petit con bière là. Ah. C'est trop rigolo. C'est trop rigolo. Je peux passer par là? Non, je peux pas passer par là. Il y avait rien en haut? Non, il y avait rien de plus en haut. Ya yeah. Ah bon? C'est encore pas assez? Ouais, je peux monter encore plus haut. Monter plus haut. Monter plus haut.
Ah oui, là on est genre oui. Ya. Mon gros pavé sur la petite Jack qui est à 50 euros sur le bon coin, ils le prennent à 15 centimes. 15 centimes. Un livre. C'est quoi la plateforme dont vous parlez là du coup? Momox? Ok, je connais pas. Regardez le truc. Paf! Vous avez vu? Pile au moment où j'arrive. Mox et achat revente de livres de casse pas trop cher. Mais le livre qui te reprenne 15 centimes, eux ils revendent combien? Oh, j'ai du mal avec le FDP hein, pour frais de port. A chaque fois je pense à autre chose. Tadam tadam. Ça surfe bien. Ah, je me rappelle d'un truc. Après, on... Les petits piou-piou, ils vont nous permettre de nous envoler, je crois. Je sais plus par où faut que j'aille. A priori, ça va être la suite. A priori, ça a l'air d'être la suite. Il a l'air de se passer des trucs. Gagner ça quand c'est trop mignon. C'est trop mignon. Thank you.
Le jeu est sympa. Hein. le jeu est très sympa. Hein. Oh, il y a un petit bébé, y a un bébé cube. Vite, rattrape bébé cube. Ah, il est devant. Je l'ai vu, bébé cube. Il était au premier plan. Comment il a fait pour bouger au premier plan, bébé cube? Non, en fait, il y a des bébés cubes everywhere. Dommage. On va passer par l'autre côté. Non, on peut pas. Peut-être que le bébé cube n'est pas seul, tu penses? Tu penses qu'il y a, un régiment de bébés cubes? Ces petites bestioles là, elles sont trop mignonnes quoi. Sbram! Eh! Bébé cube! Qui mange une pomme cube? Qui mange un apéri cube? Ah, il me suit! Je t'ai vu, hein. Il me suit. Arrêtez de me suivre. Qui va me suivre là? Ah, il peut plus me suivre, bébé cube. Hein. Il est emmerdé là. Hein. Merde, j'ai fait ça pour rien? Qu'est-ce que c'est, conneries? Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris. Je monte là, j'arrive là. Ah bah oui, d'accord, la pomme. Bébé cube, il va manger des pommes. Ok, d'accord, j'ai compris. Là, il y a des pommes aussi. La pomme. Tiens, bébé cube, mange des pommes. Pomme. Bébé cube, ce qu'il aime, c'est les pommes. Oh, regardez, il m'aime. Il m'aime, bébé cube, parce que je lui ai donné des pommes. Putain, c'est un fan de Chirac. Bébé cube, c'est un fan de Chirac. Oh là là, regardez, il se frotte à... Oh là 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 là. Il me dit, vas-y, viens. Viens dans ma maison. Et vous, est-ce que vous suivriez bébé cube dans sa maison? Alors que vous le connaissez à peine?
Ça va, moi et Bébé Cube, on se comprend. Ça dépend, peut-être que Bébé Cube, c'est un ATM bien rempli. J'ai tout cassé. Ah ! Allô ? Ah, j'ai mis du temps parce que ATM pour moi c'est autre chose mais... At the moment, évidemment. Évidemment. C'est poteur de billes, bah oui, non mais j'ai compris, mais... Il me suit, hein. Ouais, MC BBQ. Alors, pour le coup, je vois pas. Ah. Écoute, je t'invite à aller chercher sur Acronym Finder ATM. Ah ouais, d'accord, faut que je trouve les points. Peur, je vais Google mais j'ai peur. La peur n'évite pas le danger. Tu veux sur Urban Dictionary, toi. Ok. Bah, écoute. Tant que tu trouves, ça me va. Ah bon, d'accord. Oui. Oui. ATM, quoi. Désolé, on est en train de jouer à gris et on est en train de parler d'ATM. Pas cool. Le game design est bien fait parce qu'ils mettent ils font exprès de mettre des trucs qui nous bloquent sur le chemin jusqu'ici pour qu'on comprenne que quand on saute, les trucs s'inversent quoi. J'ai beaucoup de kink mais ça en fait pas partie. Ah bah moi pareil. Hein. Non. Non. Ah non ! Ah c'est tellement fourbe. C'est tellement fourbe ce truc. Merde. Ah merde. Oui mais c'est le machin optionnel ça. On s'en fout. Ça. Ah non, faut que je... Mais merde, oh, j'en fais la même. On peut pas sauter sur celui du milieu. On peut pas arriver en haut, c'est pas possible.
Voilà, il faut arriver par là. Après, on peut repartir à droite, peut-être. C'est peut-être ça, en fait. Et oui, je parle pas trop du jeu parce que je le ferai un jour. Ouais, comme pour raison. C'est bien. Hein. Tous les jeux que je fais, t'as envie de les faire. Tiens, je casse les poteries, quoi. Re, ça se passe bien. Pour l'instant, écoute, ça se passe pas trop mal. Je bloque pas sur les énigmes, donc... m'a l'air ok, quoi. Par contre, ouais, c'est clair que c'est plus calme qu'un Portal 2 en coop avec toi, quoi. Là, on, là-dessus... mais c'est bien pour terminer ce week-end, en fait. C'est vachement bien. Ouais, on va terminer sur une petite note de poésie. De calme. Je vais pouvoir aller, je vais pouvoir aller dormir pendant 12 heures après. Ah, bébé cube. Qu'est-ce qu'il y a bébé cube? Putain, il y a tous ses copains. Oh, il me donne le truc. Merci bébé cube. Je vois ça comme un compliment. T'as de bon goût vidéoludique. Ah, j'aime bien ça, du coup. Marche pas? Maintiens B en fond. Ah merde. Ah, mais c'est quoi ces conneries? Ah d'accord, ok. C'est un double jump. J'ai confondu avec un autre truc. Après quand il y aura des... ouais voilà, ok, c'est le double jump. Quand il y aura des... des petits piou-piou. On pourra s'envoler avec les piou-piou. Et j'ai confondu avec ça. Simplement. Ah voilà, quand il y a des piou-piou, on peut s'envoler. Quand j'ai dit piou-piou, je pense que j'ai envoyé 12 000 postillons dans le micro à ce moment-là. J'ai fait piou-piou. Et là, ça fait dans le micro. Hein. Merci à toi.
à sa case là. Ah d'accord, c'est encore un truc secret. J'arrive à trouver les trucs secrets sans les chercher. Ça me fait perdre du temps du coup. Comment je me repars? Comment je pars? Allô? Ah d'accord. Fallait appeler les pioupiou. Oui. Et là, si un colibri qui sort. Comment ça, la blague? Dis-toi si tu m'en dis pareil. C'est rigolo, hein. Ça, c'est bizarre, ça me fait pas rire. Ça me fait pas du tout rire, pas de tarte. Donc, arrêtez les blagues comme ça sur mon colibri. Tu parles pas de mon colibri comme ça, d'accord? Okay. Hop. On arrive là-haut. On est là-haut. Eh bien, on va essayer de... Hop. C'est pas ça. J'étais presque, hein, promis. Attends un petit peu, en fait, c'est ça. Ouais, j'ai peut-être attendu trop. Il disparaît, là, lui, il disparaît. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai recommencé la même merde. J'espère que la session de jeux vidéo ludique vous plaît. Là, j'attends un petit peu, ouais. Bien. Ah, le salaud. Salaud. Merci, j'ai réussi. Il y a encore une statue qui pleure. Pourquoi elle pleure la statue? Il n'y a pas un boss là? Je sais plus. C'est marrant les changements de zoom, comment c'est fait en fait. Ah bah oui, un gros osio. Il y avait des petits piou-piou jusqu'à maintenant, et là maintenant il y a un gros osio. Ah, il y avait bien un boss hein. C'est un boss d'engris, hein. Je suis pas sûr que ça soit... Je sais plus si on peut mourir ou pas. Ah, bien emmerdé les osios, hein. Ha. Ah, il a mauvaise haleine. Et on fait vraiment le parallèle hein, ce matin avec Gris. Hein. Il y a le gros cube comme dans Portal. Il y a la mauvaise haleine comme dans Kirby. Tout est là. Hein. Ah ce con il m'a fait peur. Les gros osios. Connard. Ah non, faut servir de ça justement. Ok, j'ai compris.
Voilà. Oui, il m'engueule. Il m'engueule, mais finalement, il m'aide. La cinématographie du jeu, ouais, non, non, mais c'est clair. Hein, et, il coule le jeu. Ouais, bon, un boss avec des grosses guerres. Pas possible de mourir. Edwardine a essayé. Oui, c'est vrai que Edwardine. Ah merde, j'ai fait une roulade. Allez, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il fallait faire. Merde, j'ai pas sauté vite, c'est vite. Pardon, Rototo. Elle a fait le jeu aussi, Edwardine. Elle a suivi ta recommandation. Ah. Comment te refuser quelque chose, quoi. Le gros piou-piou qui était pas content. Super. Bon. Mais il manque un truc là. J'ai compris qu'il fallait que je fasse sonner la cloche. Mais comment ?
d'accord. Transplantation s'est bien passé, les organes sont sains, le patient ne fait pas de rejet. Je sais plus qu'à remettre les artères en place et refermer. Cool! Ah bah voilà comment fallait faire! Tout simplement. Bah, j'avais essayé de me rapprocher de lui en bas, mais j'avais pas essayé de me rapprocher de lui en haut, en fait. Là était mon erreur. Allez, on speedrun. Ouais, c'est plus rapide. C'est plus rapide. Ah, c'est une cinématique. I'm blue, double. Ah le mec, quel connard. Bon du coup Otto ça fait quoi un petit Ryzen 12402 je crois que t'as pris toi. Après, il va pouvoir encoder avec le CPU maintenant, le petit Otto. ouais bah le plus haut de gamme quoi. Je te déteste. I'm blue, dabadi dabadi, dabadi dabadi. T'as combien de corps sur le 5900? J'avais pas vu les. J'avais pas vu les petits oiseaux. Et ça, ça fait comme dans Shovel Knight, vous avez vu? On voit là où l'eau tombe. Oh là là, mais gris. Gris, en fait, c'est un condensé de tous les jeux que j'ai fait pendant le week-end. Hein. J'étais un peu loin. Oh, c'est ça, c'est si je veux le truc en plus quoi. Pour répéter l'équation, je disais combien il y a de corps dans le 5900X.
12 corps, 24 threads, putain. Le monstre. Le monster. Autant que, dans, autant que de corps que dans le jardin. Bravo. Ah, ça c'est... d'accord. T'as pas un 3900X toi Tonyob? Non, moi j'ai un 3700X. Je suis un pauvre. Ma société. ma société ne m'a offert qu'un 3700X. Je suis quand même très déçu. Hein. Oh, je suis déjà venu par là, non? Non? Ah, là, la tortue. Une insulte, tu devrais la quitter. Oui, c'est vrai. Des petites bestioles encore. Putain, j'ai un stick mou qui est pile sur l'écran là, qui me fait chier. Après moi le 3700 franchement j'ai aucun souci avec, au contraire. Je peux pas aller jusqu'au... Mais bon, on a vu qu'il y a de, il y a de l'eau qui gravite pas forcément dans le bon sens quoi. Il y a de l'eau à gravité inversée. Est-ce que vous pensez que ce jeu c'est Bruno Vandelli qui les a, qui l'a fait? Parce qu'il y a, il y a les quatre couleurs primaires. Quadricolore, exactement. On voit les gens qui ont la ref. Quadricolore ? Et quelle couleur primaire ? Il est bien le nom. Ah le mec. Le mec était persuadé d'avoir une idée de génie. Et qui en fait est passé pour un con. Devant tout le monde. Bravo à lui. Hein. Ah! Ah! Merde. J'ai fait le double jump beaucoup trop tard. Voilà. Bruno Vandelli, ouais. Mais le pire, mais je...
Je sais pas si je regardais d'ailleurs à l'époque. Je regardais peut-être un... Non, je regardais pas Popstar. Non, j'ai pas regardé Popstar. J'ai regardé les deux premières saisons de La Nouvelle Star, je crois. Mais j'ai pas regardé Popstar. Mais bon, j'ai dû voir les vidéos où le mec était tellement fier de lui, quoi. Mais moi, ouais, je les avais vues à l'époque, quoi. Et le mec tellement en mode... Elle est bien, mon idée, hein. Ils sont quatre, les quatre couleurs primaires, quadricolores. C'était qui était avec lui, d'ailleurs, et qui a réfréné un... Je sais plus. Ah zut, j'ai fait le nul. J'ai fait le gros nul. Bah voilà. Ah bah voilà. Et voilà, le top 1. Le top 1 qui s'en va là-dessus. Top 1 à la vachette. Quel dommage. J'avais le speedrun là. First try. First try, j'étais top 1 et... J'ai perdu. Malheureusement, j'ai perdu. Pas grand chose. Hein. Sur pas grand chose. C'est bien dommage. Bon. Alors, faut qu'on trouve les deux piou-piou là. Non? Quoi? Quoi? Attendez. Ah bah non, je suis con. Bah oui, évidemment. Sync, McFly, sync. Quoi? Mais pourquoi? Ah, faut que ça soit équilibré. Oh mon cul. Attendez, je piche rien là. Attendez, je... Attendez, là, y a ça. Mais non! Mais pourquoi? Pourquoi moi, commandant Cousteau? Connard. Ça passe pas? Hein? Mais pose-toi au milieu, bordel! Comment ça, pose-toi au milieu, bordel?
Ah. 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 Ah oui. Oui, oui, bah, bah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Ah mais j'avais vu, hein, c'était pour déconner, ça va. Si on peut plus rire, hein. On peut plus rire avec vous. Vous êtes tellement sérieux tous là. Voilà, je fais quelque chose pour que ça soit drôle, pour que on s'amuse tous ensemble. Et voilà, avec vous, non, faut que ça bouge. On n'a pas le droit de rigoler. On n'a pas le droit de s'amuser. Pardon. Ouais, bah je m'en serais douté que c'était plus compliqué que ça. Hein. Je vais réessayer quand même. Attendez. Ah, me dites pas qu'il faut que je me fasse. Dis-moi pas qu'il faut que je me fasse. Non, ça marche pas. Quoi? Quoi alors? Là, il y a le truc. Là, il y a le machin. Là, je peux pas faire tomber. Là, il y a ça. Là, je peux pas monter assez haut. Plus haut. Oui, plus haut. Tous les soleils qui manquent à tes rêves. Y a pas des piou-piou? Non, y a pas les piou-piou. Oui. Je trouve que c'est un bait à gauche, là. Non, marche pas. Je l'avais. Mais 1 plus 1, c'est 1 plus 1 ça vaut pas 2. 1 plus 1 ça vaut 1. Quel génie. Bah ouais, mais je pensais qu'on pouvait pas en mettre un qui était dans le vide, mais si. Si au moment où il se crée, il est pas dans le vide, c'est ok quoi. Ou 1 plus 1 égale 11, 1 plus 1 égale 10. Si vous aimez le binaire. Y'a pas un boss aussi là? Regardez, y'a un gros poisson. On y va pas parce que ça fait peur.
Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Faut regarder au-dessus. Là, si vous regardez au-dessus, vous savez où il y a un trou. C'est le reflet. C'est le reflect. Faut arriver de par en haut. Oh, c'est comme ça qu'on se rentre sur ce tableau. La genius, voyons. Voyons. Tu comprends pas tout, tu sais juste bien faire semblant. Écoute, c'est l'important. Hein. C'est plus important, c'est que les gens s'en rendent pas compte. Hein. Il m'en manque deux. Ok, là j'arrive de l'autre côté. Ok. Gris, le seul jeu où les niveaux aquatiques sont agréables à naviguer. C'est vrai, il est vrai. Il est vrai que franchement, c'est plutôt agréable. En plus, le fait qu'on puisse accélérer comme ça, c'est tellement plaisant. En bas, là, c'est là où ça fait sombre. C'est où c'est qu'on a peur. Oh, faut qu'on arrive de l'autre sens. Faudrait dire qu'il y a autre chose.
Oui, on peut aller plus bas. Yes, yes. Look. Non, merde, pas comme ça. Mais quand? Quand on est là? Mais non, mais je... Je donne l'astuce et puis je la suis même pas moi-même. Quand on est là, on peut descendre. Voilà! Merde. Ah oui, c'est bon. Du coup, je peux aller ici. Et là, je vais pouvoir arnaquer le jeu. Pas du tout l'arnaquer, hein. Je vais juste suivre le truc. Hein. Ah mais non, c'est juste pour récupérer ça. Bah merde, il est où le dernier Le dernier machin là. Il est plus haut? Plus haut. J'ai déjà fait la blague. Maybe par là, ouais. Effectivement. Ouais, c'est parce que je laisse partir avant moi et c'est une connerie. La première fois, je l'avais assez proche, c'était cool. Hop là. Ouais, c'est simple. On réfléchit 2 secondes, c'est ok. Il est là, merde. Ah, c'est la tortue, c'est vrai, je l'avais oublié. Et la tortue, elle va nous faire de la lumière. Vous voyez, la tortue, elle nous éclaire. Et donc, on a moins peur dans le noir. Because of the tortue gentille. C'est un peu Mario Galaxy ce jeu quand même. Cette impression de vitesse. Quand c'est vraiment zoomé. On va zoomer. Ah d'accord, merde. Non, non, mais c'est bon, j'ai compris. C'est bon. Sans les problèmes de caméra. Comment ça, sans les problèmes de caméra? Tu trouves qu'il y a des problèmes de caméra dans le jeu? Non? Hein? Quoi? Ah non, on dirait Mario Galaxy sans les problèmes de caméra. D'accord, ok, c'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de problème de caméra dans Mario Galaxy. C'est la caméra qui est...
C'est pas un bug. C'est pas un bug, c'est une feature. Ah Otto, je sais pas si t'es encore là, mais tout à l'heure j'ai regardé, enfin je sais pas si t'as entendu tout à l'heure quand j'en ai parlé. Mais... Merde. Oui, les gens qui font du speedrun de Portal 2 en coop, ils s'arrêtent bien à la vidéo... Comment ça, laisser enfoncer. Il s'arrête bien à la fin normale quand il y a le générique, quoi. Ah, c'est pas moi qui fais là, hein. Ça se fait tout seul là. Ah bah voilà, il me semblait bien qu'il y avait un truc. Donc on est trop balèze. Bah ouais, bah du coup, world record. Une vidéo là, pourquoi c'est une vidéo? Moi je veux jouer moi. Ah non d'accord, d'accord. Oh! C'est dégueulasse ton truc là! Et donc le Zozio il est devenu Muren. Regardez, c'est plein de petits! Il nous montre la voie. Ici, la voie. Non, pas celle-là. L'autre. C'est de l'autre côté. Putain, les animations sont folles quand même. Les animations de la Muren là, c'est assez dingo, hein. Notre copine la tortue. Elle nous a sauvés.
Oui. Non, peut-être. Que la lumière soit. Ok, faut que j'aille à gauche. Ah mais non, mais il y a le truc du milieu, je suis bête. Ah, faut que je remonte par la cascade. Ah non, je peux continuer encore, mais je suis... Je suis sorti, mais... Oula. Oula.
Ça poste. Nice. Le choix audacieux de ne pas mettre ton ancien SSD pour éviter la flemme de faire l'installation clé. Bien ouais. C'est une très meilleure idée si tu veux mon avis. Ah d'accord, j'ai vu. Non, ok, faut... Merde! What? Oh les salauds.
C'est pas ça. Ah non, là, je peux la garder. Okay. Je peux le garder là. A swish bite. Hop là. Et de one. Ah, un petit pont qui se casse ici. Des petits piou-piou ici. Un idle, je crois que la MX5 fournie est dormi un peu trop sur les étagères. Ça. Ah, j'ai pas vu. Ah, si je monte pas sur le bon truc. Y'a pas de danger que ça marche, hein. Merde. Ok. Merde! Attends, je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Je vais devoir passer sur de la de conductonaute, c'est triste. Je connais même pas. Je connais même pas cette marque. Voilà, fallait y aller direct en fait. J'ai essayé de. De temporiser. Je suis déjà venu ici, non? Peut-être pas. Peut-être pas. Non mais arrête, déconnez pas, il va nous refaire un T-1000. Il va nous faire un T-1000. Pas le métal liquide. Vous le savez que ça tourne mal.
sa voix. Quoi? Il manque des trucs? Je crois qu'il manque des trucs et des machins. Les timings de l'arnaque sont passés direct sans avoir à régler. T'as même pas eu à activer le profil XMPP, enfin... Non c'est pas XMPP, c'est XMP... XMP truc, machin...
Mais c'est où? Ouais, d'accord. Oui, j'ai pas vu. Ouais, faut que je repasse sur l'autre. Je repasse là. Et après, je vais pouvoir sauter. Salut Yoran, comment tu vas? Fatigue et haine des châtaignes. C'est pas banal comme, comme haine. Qu'est-ce qu'elles t'ont fait les pauvres châtaignes? Le châtaigne, c'est la vie. Il m'en manque. Il m'en manque. Non, les châtaignes, c'est pas la vie. Merci beaucoup, Mr. Butter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le raid. J'espère que tu as passé un bon stream. Nous, on est sur la fin de ce week-end. Enfin. Ah, j'ai passé un excellent week-end, hein, mais... je commence à être un peu fatigué, j'avoue. Là. T'étais sur quoi, Mr. Butter? Ouais. C'est par là. J'ai fait éclore les petites fleurs, hein. On est content. Non, ça c'est... ouais. Là. Petit piou-piou. Les petits piou-piou. Mais non, y'a rien à faire, là. Nuclear Blaze. Ça me parle absolument pas.
Créateur de Dead Cells, ok. Oh là là, la grosse fleur. Jeu de plateforme du créateur de Dead Cells, on est du genre pompier qui doit éteindre un incendie, d'accord. Oh, c'est une super pâte thermique, attends, je te cherche le nom. Oh, ça... ça se donne les noms de la cam. C'est quoi ta cam, toi? Ah merde, j'ai pas vu. Le jeu qui ramouille là. Le jeu qui ramouille, ça fait pas plaisir. Hein. Est-ce qu'on a tout là? Est-ce que ça y est, on a tout? Est-ce qu'on a oublié des trucs? Aïe, on a tout. Re Claudine. On a terminé le chemin.
Non, c'est le piou-piou, il revient. C'est moi ? Mais c'est néga moi ? C'est moi mais en néga ? Vous savez, c'est le même en ce moment sur Twitter. Laisse profiter un peu. Je profite aussi un peu.
Et bah avec une heure d'avance. Avec une heure d'avance, je finis en 2h21. C'est pas mal quand même pour une fin. Fin de jeu comme ça, pour une fin de week-end un peu bourrine, hein, on va le dire. Merci, bah écoute, c'est pas moi que vous remercier. Déjà, c'est toi qui m'as filé le... C'est toi qui m'as filé l'idée, et après, les gens ont voté, hein, donc... Je sais pas si t'as été voir, c'est le jeu qui est arrivé en tête. Dans le vote. Sur les 6 jeux qui ont été choisis, du coup, sur les 10. C'est Gris qui est arrivé en tête. À moins que c'est toi qui ait voté 12 fois, quoi. En fait, il y avait 14 votes, et 12 fois, c'est toi qui as voté. Faut pas le dire. Ah, merde. Ce que je trouve beau dans ce jeu, alors à moins que je sois complètement con et que j'avais vraiment pas compris, c'est que en fait c'est vraiment tout à la fin qu'on s'aperçoit en fait que c'est un jeu sur le deuil, quoi. Et alors peut-être que vous aviez pigé avant, quoi, mais c'est vraiment à la fin où je fais ah, ça y est, je l'ai. Un petit peu quand même du générique, quoi. C'est fait exprès, oui. J'imagine. Et notre copain... Le bébé cube. Vous pensez que bébé cube, c'est juste de l'imagination ou il existe vraiment? On peut l'entreapercevoir au cours du jeu, mais on a confirmation là. Ouais, bah on voit la statue... On voit la statue au fur... Enfin, plusieurs fois dans le jeu, quoi, donc... Mais on comprend pas, enfin moi j'avais pas compris du tout c'était quoi la statue, quoi. Il est vraiment cool ce jeu. En fait j'avais pas le souvenir, hein. Mais c'est clair que la fin te met une grande claque, quoi. Là j'y ai rejoué avec un peu de désinvolture là, et là ça me met un coup sur la fin quand même, quoi. Tu vois la fin alternative, tu comprends encore plus. C'est quand tu récupères tout, c'est quand tu fais le 100% à la fin alternative. Ok. Peut-être que je m'y risquerai du coup un jour à essayer de tout récupérer. Bah voilà. YouTube, je vous fais des bisous. On a terminé le jeu en avance. Bon bah... 5 sur 6. Des bisous.